Bonjour, c'est Darkside, bienvenue au Parc des Princes pour assister à la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe 1978. Finale qui va opposer les Belges du Royal Sporting Club d'Anderlecht, équipe habituée aux finales européennes, surtout ces dernières années. Opposée aujourd'hui à une équipe autrichienne, ça c'est un peu plus rare, c'est l'équipe de l'Austria Vienne, une équipe composée essentiellement des internationaux de l'équipe d'Autriche. Donc une finale inédite bien évidemment, et une finale qui pourrait donc s'avérer intéressante au niveau du jeu. Ces deux équipes qui jouent, qui aiment bien le ballon. Côté des Belges d'Anderlecht, on comptera bien évidemment sur le capitaine hollandais Robbie Renzenbrink, associé à François Van der Elst, avec des joueurs de talent comme Ludo Koek, Frankie Vercauteren, Ariane, le Danois Benny Nielsen. C'est une équipe donc souvent finaliste, souvent vainqueur de cette Coupe des vainqueurs de Coupe. Les Belges étaient déjà là en 1976 face à West Ham, victorieux. En 1977, donc l'année précédente, ils ont chuté face à Hambourg. Et donc pour la troisième fois consécutive, ils sont là en finale de la Coupe des Coupes. Ici au Parc des Princes, grosse colonie belge venue les soutenir. Mais attention aux joueurs au maillot mauve aujourd'hui. Les mauves, ce sont les joueurs de Vienne. Être vigilant, il y a du talent du côté de l'équipe de Vienne, les Proaska, les Obermeier, les frères Sava ou encore Hans Pierkner devant, avec là un ballon pour l'Uruguayen Julio Morales. Premier centre de Morales poussé. Baumeister, Felix Gasenic, Hans Baumeister, prend le ballon par Van Vinst, Ariane, pour son capitaine Robbie Renzenbrink. Solution, la frappe de Renzenbrink, pied gauche, belle frappe pour chauffer les gants de Hubert Baumgartner tout de suite. Et le dégagement du grand portier autrichien Morales. Morales, dépossédé du ballon par Ludo Koek au pressing. Renzenbrink pour François Vandal, bonne couverture là, heureusement. Weber Sava, le joueur autrichien qui joue 3-4-3. Attention, le ballon là pour Pierkner dans la surface de réparation. Il n'a pas pu la frapper, mais bien joué en tout cas. Petite passe par-dessus. Et ce Pierkner se crée une bonne occasion pour l'équipe de l'Austria Vienne. Bon, Meister. Et par l'Hollandais, Janidus Baba. Terraine. Cherche à l'extérieur du pied, Benny Nielsen, ça a été coupé. Kasevich. Le Morales, le moyen qui cherche loin, donc sans problème là, pour le portier Nico Debry. Et les joueurs dans le direct qui peuvent voir ça plus bas. Ariane, sur le Morales, sur le côté, bien joué Van Binst, c'est vrai qu'il va faire centrer, le centre à tête de Koek, ou de Benny Nielsen s'est repoussé. Ce ballon avec le centre, là encore un ballon dégagé, le joueur belge qui essaie de mettre la pression sur l'équipe autrichienne qui va la sortir. Attention, c'est logique, elle est très vite avec Pierre devant, bonne couverture là, de la défense belge et la relance. C'est pas mal. La Cotteren, Koubros, c'est une finale de trop joué sur PES 2018 PlayStation 4. Le dégagement, et pour l'instant ils sont un petit peu privés de ballon, les joueurs autrichiens. Sen avec Vercauteren, Sen bien joué avec Hugo Bros,
crosse pour François Vanderhelst qui va peut-être pouvoir centrer, les contrer une première fois, nouveau centre, la tête de Reisenbrink, c'est repoussé. Morales, Pierre-Mer, il a vu sur le côté Thomas Paritz. Paritz qui va pouvoir déborder, il a joué le petit crochet de Paritz, centre et ballon repoussé par la défense belge, ça va revenir avec Baumeister, avec Julio Morales, c'est ce qui peut prendre ce ballon, il va obtenir le corner. Corner pour les joueurs autrichiens. Et pourquoi pas débloquer la situation sur un coup de pied arrêté, mais là c'est repoussé. Kacelic qui perd le ballon et attention au contre avec Vercoterren pour Van der Elst. Van der Elst tout seul, il va avoir Vercoterren qui va l'aider, voilà qui est fait. Vercoterren remet avec Van der Elst. Jeu toujours 0-0, domination plutôt de l'équipe d'Anderlecht pour l'instant, pas de grosse occasion. Et ici avec Edoko qui va pouvoir frapper la frappe de Cook, elle a été déviée, ça sera un corner pour les joueurs au maillot blanc. 42e, occasion pour Ariane de mettre un ballon devant le but de second poteau, et voilà. Et le voilà, le coup de boule signé du capitaine hollandais Robbie Reisenbrink qui délivre Anderlecht pour cette fin de mi-temps sur ce corner bien botté par Ariane, le hollandais, pour son compatriote. Eh oui, bien joué. Donc Gardner est resté sur sa ligne et il est battu sur ce coup de tête puissant. L'ailier hollandais 1-0 au meilleur des moments. Anderlecht ouvre la marque et ça vient donc concrétiser toute une domination de l'équipe au maillot blanc pour cette première période. Morales sorti de Martins, Cook et la mi-temps, voilà qui est sifflé sur ce score. Anderlecht a marqué au meilleur des moments. On va voir maintenant si Austria a les ressources pour revenir. Au Parc des Princes avec un changement côté belge parce que Jean Dox en place la côte terrelle, c'est le poste pour poste. Les joueurs autrichiens, c'est un point de changement, un petit peu bordard, c'est Ring, ainsi le buteur et le capitaine qui se fait la charpenter là par Joël Sarah qui est comme le premier carton jaune de ce match. Changement du côté de l'Austria avec la rentrée de Fritz Trazan et d'Alberto Martinez. Il reste qui était sévèrement taclé. Attention, c'est joué vite, c'est joué très vite, trop vite. Robert Sava, le capitaine autrichien avec Thomas Paritz. Paritz, ça c'est compliqué. Se trouver devant les joueurs autrichiens. Regardez comme ça circule côté Anderlecht, sûr de son football. Cook, voilà, ça c'est bien joué pour Gobros, qui a pris l'espace. Gobros en débordement, le petit crochet, le bon retour, ils se sont mis à deux. Oh, Paris s'est dépassé, superbe amorti de la poitrine, il va aller se présenter. Paris qui va pouvoir frapper. Oh, Paris ce qui tire à côté, malheureusement. Quelle occasion, quelle opportunité pour les Autrichiens. Deviennent sur cette amorti poitrine là orientée. Et derrière, il est un petit peu gêné par le retour de Jean Thyssen. Il ne cadre pas malheureusement. Quelle occasion, c'était la plus belle pour les joueurs de l'Austria. Dans la surface de réparation, trop gourmand, il obtient le corner. Repousser la récupération complètement
ils sont là, ils sont présents. On récupère les ballons. Ross, Knox, Cook toujours. Et la touche est belge. Et pour l'instant, toujours 1-0. Et les Autrichiens sont privés de ballon. Nielsen, il est passé. Le centre de Nielsen, peut-être la tête de Van der Elst s'est repoussée. Proaska, qu'on ne voit pas beaucoup. Herbert Proaska, le stratège de cette équipe autrichienne. Attention, la frappe de Van der Elst. Ça passe juste à côté. Quelle occasion pour Anderlecht. Ah, sur un dribble, François Van der Elst, il a réussi à se mettre en position de frappe. Allez, bon Gardner. Directement. Et avec le vainqueur de coupe, si on en reste là, qui pourrait revenir donc en Belgique. Il est passé, Van der Elst, il va tenir le coup franc. Et attention, Ariane, il est capable de mettre le ballon où il veut. Comme ici, devant le but, au moment de panique, la reprise de Renzenbrink, on était tout proche du 2-0. Regardez, coup franc d'Ariane, ballon qui est repoussé en catastrophe dans les pieds là de Renzenbrink, pied gauche, intérieur pied gauche, et ça a failli faire 2-0. On ne sait jamais, les joueurs d'Anderlecht seraient peut-être inspirés de marquer le deuxième but pour se mettre à l'abri. Nielsen, Tox. Tox, pour Ben Nielsen, c'est jamais trop bon de dominer autant et de ne pas concrétiser. Jouer au beurre d'ailleurs, ça va, ça va. Maritz, il est débordé, il a pris une vitesse. Bros, il faut centrer le centre, la tête de Bergner qui n'a pas pu la frapper malheureusement. Proaska pour une passe avec Paris qui peut frapper, frappe contrée. Proaska derrière, non, il perd le ballon. Et attention à la relance, attention à Renzenbrink. Renzenbrink qui est lancé, Renzenbrink qui est passé. Renzenbrink toujours le crochet dans le bon retour, très très bon retour de Bormayer sans faire de faute, c'était limite. Et un long dégagement. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de jeu, attention, le ballon repoussé, il est hors jeu. Il est hors jeu, Pierre. Et pour l'instant, on reste quand même sur notre fin par rapport à cette équipe de l'Austria de Vienne qui malheureusement ne montre pas grand-chose aujourd'hui. Et ça, sans doute par la faute de Anderlecht, pardon, et un match tout en maîtrise, le joueur belge. Maritz, entre Pierre, bonne solution, vous voyez. Et on perd le ballon. De solution immédiate pour le porteur du ballon. Et derrière, les joueurs belges sont déjà en place. Il reste 6 minutes à jouer pour égaliser côté autrichien. Drazan, le centre de Drazan, il va obtenir le corner. On va pas se remettre, coup de pied arrêté. Proaska. La tête, la voici, il a beaucoup de tête. Et oh, un ballon qui est sauvé sur la ligne. Nico Dobry l'avait relâché ce ballon, c'était la meilleure occasion. Ah, derrière une faute malheureusement de Pierre-Pierre. Grosse faute. Mais c'était la plus belle occasion pour les Autrichiens. Que ce coup de tête et cet arrêt difficile de Nico Dobry sur sa ligne. Il reste moins de 4 minutes à jouer. Dobry au dégagement, la récupération Ariane, Van der Elst, Zendrink. Avec Van Binst, conservé le ballon toutefois avec Drazan qui récupère. Jasenic derrière Drazan. Ça manque de spontanéité. Et attention au contre, attention, Van der Elst, Van der Brink, le capitaine de
Vanderlecht qui peut centrer la tête de Vanderlecht. Non, c'est repoussé. On est dans les arrêts de jeu. Et voilà, c'est fini. C'est fini ici au Parc des Princes sur la victoire tout en maîtrise de l'équipe belge d'Anderlecht dans cette coupe, les vainqueurs de coupe 1978. À bientôt.